Hey, re les gens, est-ce que ça va mieux? Je vais aller checker ça. Pause aussi. Ouais, mais. Ah, ça a l'air d'être bon. C'est bon pour vous? Et donc, j'ai cru rêver ou tu as pris rondoudou? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux nous dire dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Bon, je m'excuse les gars, hein, je vais dans la queue aussi. Putain, arrête de regarder là. Et je vous avoue, j'ai envie de faire un truc un peu chillos. Aujourd'hui, nous allons jouer... Insignia. Ou bien non, attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que je trouvais cool à jouer? Allez, on va essayer ça. Puis donc, dis-moi tout, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes de Falco, qui est un très bon perso, à Jigglypuff, qui malheureusement n'a rien d'un bon perso? Bon, après, je comprends. Elle est agréable à jouer, elle est cool à prendre en main, puis ben, pouvoir tuer son adversaire à 30%, c'est cool. Mais c'est vraiment pas facile à faire. Ok. C'est vrai que son jeu aérien il est pire que les autres, mais il suffit que tu joues contre quelqu'un qui a un bon anti-air et franchement c'est la galère pour t'approcher. Mais après franchement, quand t'as des phases avec elle, c'est comme avec Kirby, c'est trop plaisant, c'est trop bon. Et son air il est broken pour aller catch les adversaires. Ça je dois avouer que c'est un truc qui est ouf que dingue avec elle. Ah, Sakou a repris le... A repris. Allez Lulu, tu peux le faire. Tu as déjà this guy? Ok, ça marche. Enfin, cool d'être passé, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à revenir. Là, je suis en vacances pendant 2 semaines. Je vais essayer de streamer bien plus souvent et bien plus longtemps. Et voilà. Donc, passe une bonne soirée, puis à la prochaine. Bon, Maïsaku, c'est quand que tu reprends Aïe? Ouais. Ah dommage. Oh joli. Alors, t'aurais fait un petit downbeat sur sa get up, c'était parfait. Allez, tu peux le faire. Pour la gloire, pour le rang. What? F smash hein. Non mais non. Ah.
un peu risqué, parce que là, il peut venir te foutre un coup, peut-être. Non, il va bah, se punter pour te tuer en deux coups. Voilà, tu es mort. Ah non. What? Qu'est-ce que t'as fait, Lulux? Est-ce que t'as fait un side B? Est-ce que t'as fait un coup, quelque chose comme ça? Est-ce que tu t'es mis à mal DI? Tu dis, est-ce que t'avais une bonne DI de base? Peut-être que c'est ça qui t'a tué. Si tu DI in, tu serais revenu. Je pense. Mais là, c'est vraiment très étrange. Chelou. Vraiment chelou. Ce que je pourrais comprendre, c'est genre faire un side B parce que ça. Je crois qu'il ça le met un petit peu en arrière, puis donc bah ça fait que tu meurs. Ah, je vais jouer contre Squeezie. Enfin, j'espère pas, hein. J'espère que c'est Satou qui va gagner avec sa Wi-Fi qui a été pimpée, mais. Avec le perso que j'ai pris, je t'avoue que j'ai plutôt envie de jouer contre Wi-Fi Trainer plutôt que contre Link. Pourtant Link, j'aime pas jouer contre, mais alors online, encore moins. Je pense Link avec Ganon, c'est les dieux du... avec Sony et Sony, c'est les dieux du online. Ganon, parce qu'il n'arrivera jamais à attaquer son petit point de side B. Sonic, parce que c'est Sonic. Et Link, parce que. Oh, dommage. Et qu'est-ce que tu fous, Kizou? Vraiment que le bury de, du jab à Wi-Fi, c'est le truc le moins utile au monde. Peut-être à, même pas à haut pourcent, je crois qu'à haut pourcent le gars il est trop pour enfin, il se met quand il frappe, ça met trop pour qu'il puisse vraiment le bury. C'est vraiment un truc inutile. Peut-être que j'ai une connerie, hein, mais franchement. Et qui sait qui a mangé le monde? Ah, c'est pas mal ça coup parce que c'est bon. Dommage pour le suicide. Bon, à moi d'essayer. Désolé, j'avais envie. Tiens, le final boss, mec. Three, two, one, go!
Mais non, je suis nul, je pue, adieu, monde cruel. Je suis nul à chier. Ok. Oh, j'ai joué sans ce truc. Vas-y, moi je te tombe ton réel, mec. Je te teabag. Bien joué. Ouais, mais j'ai de la... Il y a des personnes avec laquelle j'ai de la peine à comprendre leur Earthbox. Mais je pense que j'aurais dû faire... J'avais un doute, j'étais là, est-ce que je fais Upper into Down B? Mais étant donné que je connais pas le truc, je me suis dit bon... un mec qui boit beaucoup d'eau, mais franchement quand je suis en stream c'est vraiment la meilleure boisson du monde. Je pourrais me prendre ça ou un Red Bull, c'est vraiment l'eau le meilleur truc. Yes. Bon, up smash, s'il vous plaît. Take my back. J'avais pas sauté, justement. Oh, j'ai un doute d'un coup. Merci, tu m'as sauvé. C'était pas ça que j'avais calculé. Ah, il est trop léger. Il avait pas assez de dégâts, excusez-moi. Ça la gouille.
c'est vrai qu'on peut faire ça. Ah. Yay, j'ai réussi. Merci Hungry Box. Bien joué. Tu connais pas? Tu peux faire le downer, le cancel et tu fais down B. Enfin dans le sens où tu fast full juste avant qu'il se termine. Et normalement t'es dans l'adversaire et tu peux down B. Hein? T'avais pas que t'étais chaud avec... Bah mec, je suis chaud avec Kirby. Du coup je peux jouer et je peux jouer Roudoudou. Je t'ai cancel ton downer. Mais t'as pas fait de downer. T'as pas fait de downer, t'as fait une berceuse. Mais non, t'es en train de faire une berceuse, je peux pas mettre un downer. Je t'ai puni ta berceuse justement. Mais t'as pas downer! J'ai pas berceuse! Lux, là, rebattre le clip, je sais pas, j'ai pas fait de berceuse! Je t'ai sauté dessus! Tu t'as fait une berceuse! Les gars, j'ai fumé ou. Mais non! Mais what? Mais non! Mais les gars, je. Mais ça coûte. J'abandonne des trucs? N'importe quoi que ça soit aussi gros. Mais t'es sérieux? Je l'avais! Vous avez vu, je l'avais cette riz! Putain de merde! Oh, je suis dégoûté! Tu veux pas avoir un plus grand grab? Je te signale que t'as plus ton grappin, hein. T'es pas censé grab aussi bien. Mais comme tu... Ah, oh, ça m'énerve cette bombe de merde! Mon backer! Mon putain de backer! Il était prêt, il était beau, il était frais! Va-t-il réussir à... Mais Lulu, je suis sûr et certain que la situation que tu parles, elle n'est pas arrivée. Ou alors c'était bien. Alors. Moi, je parle de la dernière stock. Ou sinon, alors c'est que j'ai pas compris. C'est peut-être que tu me parles d'une autre alors. Et peut-être que là. Alors oui, mais. Moi, je parle de la dernière. Puis la dernière, c'est toi qui as fait une berceuse. Puis moi, je suis venu avec mon downer. Et puis, bah, j'ai mis mon petit reste. Mais putain, c'est. Attends, attends. Ouais, non, la dernière, je... Non, non. Je sais pas ce que t'as vu, mais c'était pas... C'est moi qui ai fait le downer into down B. T'as pas fait down B, t'as le downer. Bien joué. Mais what? Tu m'as mis upstage, donc j'ai downer. Je me suis... Alors, je vois pas quelle situation tu parles. Schizo, j'ai une question pour le downer de Link. Il a pas normalement comme truc, dès qu'il a mis un coup, il a plus de hitbox, un truc dans le genre, ou bien c'est moi qui ai fumé. Parce que moi j'étais là, bon, il a frappé la bombe, donc je devrais pas recevoir le coup. Mais j'ai reçu le coup. Ou bien c'est qu'on s'attaque le shield. Puis vraiment, tu m'as mis upstage, donc je dis, oh, non, je vois vraiment pas quelle situation. Attends, je crois qu'il est en train de me répondre.
Je dis après le match, ok ouais. Oh, je vais voir si je peux. Clipper. Oh, ça ne peut jamais clipper. Notre studio. Attends. Bon, sinon. On va faire comme ça, studio vidéo, peut-être que là ça marche. Donc, gestion d'industrie. Et puis est-ce que là ça va me proposer de clipper? Oui. Et du coup, est-ce que ça remonte assez loin pour que je voie ou pas? Là. Ouais, non. Ça remonte jusqu'à ce que je me fasse péter la gueule. Et donc je sais pas comme si tu m'as mis au stage, donc heureusement j'ai donné pendant que tu as blessé, et je t'ai trouvé comme ça, tu as dormi. Bon, j'irai revoir le live, parce que je vois pas du tout. Tu parles donc sur la dernière stock? Celle où j'ai enlevé ta dernière vie? Mais non! Non, non, non! J'essaie de me remettre à jour et de mettre des vidéos sur YouTube et regarder leur diff, etc. Mais non! C'est pas la situation qu'il y a eu! Putain, j'ai l'impression de devenir fou! La situation, c'est que t'as fait la berceuse, j'ai vu ça, jump, down air, down B. On ira voir. Bien, en qualité de maître de cérémonie, je peux pas voir, non. C'est 60 secondes de publicité. Eh, je pourrais faire ça. Modifier un peu du stream, faire un clip, lancer un raid. Non, je sais pas. Alors, faudra que je voie. Ouais, j'en fais encore une avec mon doudou jusqu'à ce que je me refasse casser la gueule. Et après. Ah, ce que je pense maintenant, ce que je vais faire avec les conchets du stream et autres, je vais pas prendre mon main. Je vais le garder maintenant pour le offline, pour m'habituer aux combos, parce que ça commence vraiment. Ça fait une grosse différence les combos de Link offline et online. De Link, de Peach, je vais. Aïe, oh, c'est sale, oh, ça fait mal. Excusez-moi, attends, je vais montrer un truc sur YouTube, c'est pas ce que j'utilise. Ah non, je comprends. Putain, j'ai un arbre, sérieux, j'ai trop mal. Ouais, je te plains, ça c'est vraiment un truc le plus chiant. Mais... Adieu! Ah. Non, pas adieu, pas tout de suite en tout cas. Uni! Mais hey, dash attack, pas F-smash, je suis dans la période où tu m'as plein, c'est chiant. Courage, frère, courage. Tu peux passer outre, tu peux battre cette saloperie. Ne pense pas à la douleur. What? What? Attendez les gars, je suis en train de voir. Ah non. Dash attack ou... F-tilt, enfin approcher F-tilt. Hop là, ça je peux enlever. Tac tac tac. Des fois j'aimerais être riche. Puis pas avoir à galérer pour trouver un appart. Quand j'envoie 2000 balles, je suis là, ouais, on va. Je dois dire, non. Ouh, y'a qui c'est qui l'a bouillé?
Adieu, panique. Mais bien sûr. Tu peux... Point d'exclamation idée. Et ça donne l'idée de la reine. Et le mot de passe. Plus de batterie. La Switch, tu dis? Ah! Flûte. alors, il me semble que non, les boss restent. Mais dans mes souvenirs, il me semble que lorsque le spike avec le sol et que l'adversaire revient direct dessus, ça compte pas. Donc, en général, considère qu'elle reste. Ok. Ah merde! Règle numéro 1, toujours à charger sa Switch. Bon, on va essayer de fumer ce Link. Enfin, c'est très mal parti. Je suis un dieu! Je suis un putain de dieu! Non, attendez, c'est. Non, voilà, c'est ça que je voulais. Yay! Les gars, c'est bon, je vais mettre rendez-vous. Ou pas. Et putain, sérieux, je suis en train de me casser, ça me touche ce truc. Et non, t'as cru que t'allais m'avoir? Oh, j'ai essayé de refaire la technique de la moelle, ça m'a pas marché. Ouais. Acheter là, bon, je me casse. Ah, ça devrait pas me toucher, je suis pas d'accord. Arbitre! Ah! Non, il a mis le shield! Il est trop fort! C'est bon, je sais comment jouer Rondoudou. Mais pourquoi ça n'a pas touché mon jab? Là, je suis très triste. Ouais. Mais sérieux, j'ai pas le temps d'être mon smash. C'est quoi ces smash pourri? Ce smash, tout. C'est vraiment à chier ces smash. Mais t'as cru quoi? T'as cru qu'il pouvait. Ah! Mon backer, s'il te plaît. T'es mignon, hein, mais là, non. C'est pas censé me toucher. Ah, ça bat mon fer, fait chier. Ça devrait pas. C'est bon les gars, je suis un génie. Je lui ai fait peur. Bon. Et tout ça me touche. Si le premier coup me touche pas, le deuxième ne devrait pas non plus me toucher. Ah, mais quelle connerie! C'est vraiment de la merde ce perso! Et moi aussi je veux un Ubi out of shield qui est trop fort! Il approche comment, Doudou? Hein? J'avais mon shield! Mon putain de shield activé! Attendez, j'essaie de me rappeler comment je rends. Pas comme ça. Mais ça me prie, ça fait mal. Oh putain, là j'étais la merde, je me prends le père. Bon les gars, il est temps. Il est temps d'apprendre à jouer rendu, les gars. Hop là, hop, 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 il fait peur. Hop, hop, downer, ça ne marche pas. Hop, ça marche toujours pas. Hop, hop, tu fais peur, tu fais croire que tu vas approcher. Et paf, 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 paf. What? Je suis un ninja. Attention, t'as son comble. Ah, je vais mourir. Je le sens. Mais c'est quoi ce smash de merde? Oh putain.
Ah, j'ai eu du cul. Je joue pas sur le socle parce que je peux pas. Dommage, sinon c'est la merde de jouer avec la Switch contre le bureau. Autant les smash, il me semble. Éclate les shields. C'est le side B, je crois. Pétition pour que le signe serve quelque chose. Oxygen shield, trop bon. Ou side B, c'est le side B qui fait mal, ça, un brise shield. Du coup, tu mets une claque qui reste longtemps. Cette toupie magique? Quelle toupie? J'ai plus de mental. Solide. Ah! J'ai essayé, mais. Le moment où tu m'as mis 4 billes d'affilée, j'avais de la peine, je dois l'avouer. Ce petit pari. Je hais ce ballon, putain. Je serais au pif, un F-tip comme ça, au pif. Ah. Hop. Tu dégages. Ah, à quel moment tu dis de faire un back air là, c'est... Mais putain, ça me touche, bien joué. J'ai mis un air. Oh putain, j'ai eu peur, je t'ai mis mon... Il y a pas les gens qui disent tu mets un coup, le ballon il dégage. Et je hais ce ballon. Je hais ce smash qui tue pas. Je hais ce perso qui a fait du tunnel. Je le hais vraiment, il devait pas me toucher normalement avec un jab à la réponse. Ah, la moindre life que moi avec quelque chose sur un jab. Je vais te flinguer, saloperie. Je te teste, machin. Y'a rien de fun. Bon, ok. Mais sérieux, toi tu me touches, pas moi. Online, j'ai envie de y aller, je sais pas pourquoi. Mais je viens de mettre mon air pour éviter cette merde. Putain, comment ça s'est dit? Ok, non, mais je vais me faire tout. J'ai fait une roulade! J'ai fait une roulade! Bien joué. Alors, il joue mieux que moi. Il joue mieux que moi alors qu'il l'a joué 3 fois. Mais il y a un truc qu'il faut quand même te dire, c'est que je suis pas un mauvais joueur, j'arrive à m'adapter au perso et autres. Puis lui, il n'est pas trop compliqué, c'est juste les setups. Oh, ça va, c'est pas le sel là, c'est juste, ça m'a saoulé. Attendez, je vais juste changer de perso. Puis c'est juste que Randoudou, il a un peu le même gameplay que Kirby. Puis vu que je suis un main Kirby de base, j'arrive plus ou moins à voir ce que je dois faire. Mais non, c'est pas une rage. C'est pas de la rage, putain de merde. Hop là. Allez-y, battez-vous. Alors, Randoudou, j'aime vraiment pas, parce que je trouve qu'il a vraiment aucun truc pour bien s'approcher. Tous ses moves sont nul en shield, il peut pas agresser. Le seul truc où il est bon, c'est quand il doit edge guard dans les airs. Oui, tout à fait. Pareil, donc quand il doit edge guard out of stage, en dehors du terrain, là, ça devient dieu, on est d'accord.
Mais encore franchement. Mais sérieux? Oh joli. Oh dommage, ça peut essayer de mettre un 4. Mais putain cette balle m'énerve. Ah ce ballon, c'est le truc le plus injuste du monde. C'était à toi de jouer? Quoi? Y'a... Pourquoi tu joues pas? C'est passé quoi? T'es encore dans l'âne? Oui, il a lancé que quand tu changes de carton, donc j'ai comme ça. Ah merde! Allez les gars, après vous pouvez laisser la place à Panic Tennyson. Parce que c'est pas très gentil de lancer directement alors que vous venez d'attendre. Et puis lui il a attendu. Et du coup, vu qu'il a attendu, il a plus sa place. Pas bien les gars. Faut que tu ailles lui refiler sa place après. Sinon je bannis MySafe parce que je suis sûr certain que c'est lui. Hein? Je vais l'obliger à rejouer Ike. Mon doudou qui survit, prêt à casser des gueules. Reprends donc ta balle, ça c'est beau. Donc vous arrivez à refiler la place à T-Sconk. Moi je laisse la place à Skizo. Ouais Maïsaku, on voit que t'es un ancien joueur de Ike. Je crois que c'est comme ça. Et Lulu, je crois que tu dois aller derrière. Mais battez-vous et on voit après. Ah, on a pas le truc. Donc Lulu, faudra juste que tu laisses la place. Lulu. Lulu est appelé à se remettre en bout de queue. Ça marche pas de soucis, merci bien. Alors, attendez, moi je voudrais juste regarder un truc comme ça, j'avais fait un truc, tac tac tac, où sont les trucs enregistrés là. Et donc...
Attendez, je dois juste voir un truc. Un peu plus bas. Moi je suis sûr que c'est un match de ouf qui se passe là, mais non. Ah, Maisaku vainqueur par KO. De ouf, tu vois, t'as bien, t'as bien, comment? Quoi? C'est moi, les attaques de Wi-Fi sortent avant que la game commence. Oui, mec, c'est Wi-Fi Trainer, c'est son beaucoup ultra instinct, tu vois pas les coups venir. Il les a pas lancés, puis il va déjà dans la gueule. Hein. Heureusement que j'avais pas prévu de ça. Adieu Yax, tu vas bien? T'as fini ton stream? Sniper. Ah ah, bien fait Link. Tu veux pas me répondre? Ah non, je lui parle pas, c'est un streamer, c'est un rival.
toujours pas été prise. J'ai dit yo, en pleine pub. Hein? Y'a des pubs? Ouais, y'a des pubs sur mon stream, les gars, je peux gagner de la thune. Mais ça, je voyais un jeu vidéo, je pense que pour Epic ce serait FIFA, alors que pour Link, sinon ce serait Skyrim. Alors, j'aime tout à fait la logique, mais je la comprends pas. Aïe, c'est à moi. Allez, c'est parti. Oh, contre Link. Putain, j'en ai déjà marre. Si c'est sur TF, je vais péter un câble. C'est vraiment le truc le moins fun au monde. Non, Rendoudou, ce serait un truc avec la mafia. Un jeu, genre Yakuza, tu vois. Tu dis avec la prochaine défaite. Ok, les gars, il est temps que je vous défonce. C'est parti. À mort, Lely. Mais putain, DF, tu viens d'avoir DF il y a 2 secondes. Ce jeu, il est mal foutu. Putain de merde, j'en ai déjà recul. Eh oui, bravo, double nerf. Oh, t'es trop fort, mais putain, s'il te plaît, tu peux me filer un peu de ton skill. Je ne rage pas, ok. Ah oui, c'est rouge, toi. Bon. On prend les filmés, on veut s'amuser, tout ça. Ici, hein. Fun was never an option. Ah ah! Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas te faire foutre, c'est tout. Alors, on peut pas une attaque? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas penser. Putain, on est en plus. Tellement c'est pas. What? Double what? Mais vas-y, lag! Lag maintenant! Quand je peux te punir, lag! Ah, ça m'énerve. Ah, fiché, bien joué. Moins bien, peut-être, oui. Quoi? Mais c'est cool, donc c'est pas ce que je voulais. Quoi? Comme quoi, j'ai pas eu le temps de me dire oh, mon but, c'est que je m'améliore. Ah, bien joué. Mais nique sa mère, DF, encore une fois. Mec, je te fume sur Stadium, j'en suis sûr et certain. Mais nique DF avec un cinéreur. Enfin, surtout contre un gars qui peut me zoner comme pas permis.
Ah, mais sur une seule game, c'est pas comme si t'avais vu dans le jugé. J'ai pris DF en stage. Mais oui, mais ce qui... là, je suis en train de rager parce que tu l'as déjà eu avant, DF. Et là, bien entendu, ça te le redonne. C'est pas logique. Je ne suis pas d'accord avec ça. Comme choix de random, ça prend bien techniquement. J'ai pas mis random, j'ai mis Pokémon Stadium 2. Histoire que j'ai pas cette saloperie de map DF. N'importe quel perso que j'ai, je déteste DF. Même avec Kirby, alors que c'est son meilleur stage, je hais ce truc de ses morts. Up tilt. Ok, ça va aussi. Ah, DF contre les honneurs, mais je peux pas. Ça leur facilite tellement la vie. Bon, moi j'ai que ça. Je mets ma bombe ici, comme ça je trouve 3 quarts de ce pion. Ah, puis maintenant ça ici. Puis bah, nique ta mère en fait. Non, en fait, je suis juste mauvais. Je suis vraiment nul contre les honneurs. Mais vraiment, DF contre eux, jamais. Toi, t'es un bon gars, Panic. T'es un bon gars. On va pouvoir devenir pote. Mais les connards. Non. Là, je commence à être méchant, pardon. Les gens pas très sympathiques qui mettent DF, mais putain. Ce que je devrais faire en fait, c'est mettre random, puis je vire DF. Ah ouais, je devrais faire ça. Putain, c'est con, mais je préfère même jouer sur Lylat que sur DF. Maintenant, je m'en rends compte. Ah non, quoique, c'est quand même kiffé. Non, je vais pas du tout t'aimer, mais ça dépend de quel genre de banjo t'es. Si t'es le banjo campeur qui fait que de faire des side B, je vais pas t'aimer. Si t'es le banjo campeur qui fait pas que des side B, je vais te détester. Et si t'es le banjo qui me bourre que avec des side B, je vais beaucoup t'aimer. Voilà. Banjo, j'avoue, c'est difficile d'avoir du plaisir à jouer contre. Hein. Enfin, le seul moment où j'aime bien jouer contre Banjo, c'est quand il a plus ses side B. Franchement, là, je trouve que c'est agréable de jouer contre. T'es pas en train de dire, je fais une erreur, je meurs à 60 au ledge. En exagérant un peu, je crois que c'est plutôt 78 ans. Quoique non, je vois bien mourir à 60. Hein. Allez, Lulu, prends-lui cette stop. Mais putain. Adieu, que t'y flamme. Smash Ultimate, ok, le jeu où c'est utile d'aimer, je vais prendre mais... C'est... pas pour 90% des persos, mais... Je crois que c'est online que c'est vraiment chiant à jouer. Offline? Ça va. Mais bien sûr, tu fais point d'exclamation ID, ça donnera l'idée de l'arène et le mot de passe. Adieu Yuma, tu vas bien? Tu as touché 80% du temps avec tes putains de B, c'est quoi ce bordel? C'est pas toi d'être qui a dit on va se poser. ça c'est Link, c'est ça, là par exemple, je sais pas si vous avez vu le match qu'on avait fait avec Schizo, quand moi j'avais Rondoudou. Rondoudou n'a aucun moyen safe d'aller sur Link. Tu shield, si toi tu fonces dessus avec un air, un fer, un back air, mais ce qui est spacé, il va te toucher. Moi il y a des moments où j'ai fait fer, retreat, je me suis barré, ça me touchait. Donc... là, le problème, c'est le match-up qui fait qu'il te fait se dominer. C'est tout. 1, 2, 3, side B. Ah non. Alors. Ah, c'est juste le match-up et que Link, ben, son hobby, il est pété. Hubby out of shield, donc tiens qu'on soit d'accord. Alors ouais, moi j'y suis. Ok. Alors y'a un truc que je vois, TS, je trouve que tes hubby, tu les fais très très mal et que tu les fais qui ont... ça te met en danger à chaque fois. Genre soit tu le fais pas assez en bas pour que tu chopes directement le ledge, soit tu les fais directement là, en l'air, et tu peux te faire catch en redescendant. Ou justement tu fais que le garder à fond alors que tu pourrais faire le petit up B qui te fait remonter directement pour choper l'edge. Parce que là tu te mets trop à découvert.
Et puis bah là c'est bonne journée, il y a des moments où tu vas bourrer le set, mais bon, ça tu l'as pas trop fait, tu l'as juste fait maintenant. Et je sais pas, est-ce que tu sais faire des reverse down B? Avec Banjo, tu dois savoir faire ça pour pouvoir te faire un mur de grenades. T'as petit niveau par contre. Mais pas de soucis. Tous les niveaux sont acceptés. Personne n'est nul. Tout le monde est là pour apprendre. Certains ont déjà plus appris que d'autres. Et après voilà. Si après tu joues contre quelqu'un, puis tu perds et autres, n'hésite pas à demander des conseils. Donc si on peut donner des conseils pour que la personne s'améliore, c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Mais il est juste débile ce perso. Il est débile online. Offline, c'est pas la même chose. Là, par exemple, tu vois, c'est vraiment très mauvais comme t'es revenu sur le terrain. T'aurais mieux fait de faire air dodge, choper ledge et autres. Là, je trouve vraiment que tes hobbies sont trop facilement punissables. Dommage, là, c'était un side B. Et puis, je n'ai pas compris là, le bien sur le stage. Ouais, vraiment, faut que tu bosses ton pour revenir sur le terrain. Vraiment, tes hubbies ils sont bof. Le pire, c'est que ça marche un truc. Mais oui, ben, c'est vraiment ce B à Top Shield, il est vraiment trop bien. Ça tue, c'est frame 8, je crois. C'est parfait. Frame 7, ouais, 7 ou 8. Dans tous les cas, c'est fumé. De la main. Oh, Masaku a sorti Ike. Il est plus là pour rigoler. Maintenant, il va tous nous fumer. Ouf. Pardon. Ouais, faut vraiment que tu bosses parce que vraiment tu reviens mal. T'as l'edge qui est là. Enfin, attends, on va faire comme ça. T'as l'edge, toi tu veux revenir. Toi tu le fais en étant ici. Tu le charges à fond. Et du coup, ça fait que tu vas pas choper directement l'edge, mais tu vas te mettre ici. Tu seras là. Et ben, tu vas te faire B, tu vas te faire punir. Tu peux mettre ton side B si le gars il a mal timé son coup, mais en théorie t'es mort. Du coup, si tu étais là et que tu fais juste le petit. Quitte à pas choper directement l'edge, au moins tu mets genre le bout de ton museau, c'est bon. Je connais pas très bien le truc, mais c'est genre. Pour moi, l'exemple que j'ai, c'est Kirby, c'est j'ai un point que je sais que je fais mon hobby là et je chope directement l'edge sans que je dépasse un petit peu. Ça, c'est un petit truc à taffer. Et il y a aussi le reverse down B qui est bien. Moi, si j'en joue contenu, je pars sur Stone, je préviens. Là, t'as à connaître le nombre de frames, je crois que ça va être chaud. Ah! On essaie de savoir, hein. Bon, moi je connais pas par cœur les trucs, mais il y a des persos qui ont leur move clé. Et ben tu vois ce que c'est. Mais là, mais tu lui mets un F-Teal, putain. Pardon. Non, UB out of shield. Paf, il décolle. Bon. Ah, mais c'est vraiment que je regarde ces chiffres. Et pour les bombes, il faut que je commence à me chauffer. Je vais très bien, je suis pas un mec, excusez-le, comment je peux. Mais pas de soucis. Parce que justement là je te voyais pas venir casser reverse down B, paf paf, balancer des trucs et tout ça. Et là tu es mort. Ah non. Il est pas censé tuer maintenant ce truc. Puis vraiment, et puis aussi pour revenir à l'histoire de tes hobbies, il y a des moments où t'étais genre à ça de l'edge, tu fais nerd dodge, tu vas dessus, tu fais pas ton hobby. Vraiment, le hobby, il faut que tu sois genre tout en bas parce que c'est pas trop facile à edge guard ce truc.
peux, on peut choisir quand tu pars, donc quitte à mieux vaut faire une air dodge si tu peux, etc. Plutôt que de maintenir à fond le truc. C'est aussi le truc où tu peux juste ne pas poser dit, hein. Faire juste hobby. Tu vas pas hyper loin, mais. Et voilà. Mais t'inquiète pas, de toute façon là, même s'il me bat, il va devoir laisser la place. Parce qu'il a fait le tour au moins deux fois, puis maintenant on est plus de 5. Bon. On va se mettre en mode. Mode tournoi, on est d'accord? On va mettre la musique qu'il faut. Alors attendez. Merde. Allez où? Je crois pas que c'est là-bas. Oui. Allez, t'es pas au début. Ok. Mais sérieux? Ah putain, c'est quand même l'arnaque, c'est con. Je suis mort. Ouais, bien joué. Mais. Je me suis barré pour mettre un smash, c'est triste. Bien joué. Ah, Bicota le Régis, c'est nul. Je vais pas avoir encore moins de live, juste pour être sûr. Mais sérieux, je te mets un putain d'F-tilt ?
Ah, bien joué. Ah, fait chier. Bien joué. Ah, perso de merde. Oh, c'est déjà mieux que sur FT. Ah. Bien joué. Bon, Skizo, il est temps que tu te mettes dans la queue. En tout cas, bien joué. Ah, j'ai le seum. Alors, allez-y, battez-vous maintenant. Ils ont fait quoi, un cinéma dans le dernier patch? Attends, c'est du quoi? Le side B, je crois qu'il va plus vite. Quoi d'autre? Il y a 2-3 autres trucs qui étaient assez cool. Side B va plus vite, je crois que le Up B va un chouïa plus haut, si j'ai bien compris. Puis le rage, je m'en souviens pas. Yeah, je continue de mater les lives, mais je joue plus, j'ai joué toute la journée, je peux plus m'aider. Je comprends. Ah, c'est bien, j'ai loupé plein de messages. Alors attends, je vais remonter. Je veux pas qu'on tourne une heure. Avec ça pue, ça pue pas. Mais non, ça pue pas. C'est pas facile à jouer. Est-ce que c'est un gameplay très simple et du coup. C'est le main game qui compte. Alors. Et pour les up game, il y a le en fait, c'est un secret. Ok. Je suis plus pas sûr d'eux. Est-ce que je suppose que ce gars il punit mal et qu'il met un side B dans sa gueule? Bon, on verra. Si je vais sortir un scénario demain, bon. Alors si je me fais éclater que j'ai aucun fun avec Beat, non. Alors ouais, je pense sortir un scénario. Allez, je vais essayer de jouer Beat. Maintenant, ce que je vais faire pour les online, je pense que je vais prendre mes fun main. Je vais prendre DK, Incineroar et puis d'autres trucs. Et puis je garde pour le offline histoire de. Pour timer bien les combos et autres, parce que c'est vraiment différent quand tu joues en offline et online. C'est assez strict, l'air de rien, les combos. T'inquiète, Annick, je reprends le B, je sais pas de quoi faire, mais si j'ai une nouvelle vidéo, je connais. Soit les banjo main, les potes de banjo main connaissent ce secteur. J'ai pas un son dans mon patch, j'ai pas mal. Ok. GG, je suis là. Yeah, j'ai vu, c'est mon match. Ok, yes. J'ai le game, on a plus le match. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Ah. Encore, mais bizarre, ouais, excusez-moi. Alors, hop, ça va mieux là. J'ai l'habitude d'un peu gigoter dans tous les sens. Du coup, le micro il est proche et loin. Il y a des moments où je me mets comme ça. Je suis là, bien les mecs, vous m'entendez? Hop, n'hésitez pas à dire. Putain, mais là, je pense que ça va bien. Ouh, mais il y a Starcorn qui joue. Et donc, vraiment, demain, ouais, je vais faire full pit. Si vraiment je peux pas, je prendrai DK ou un Incineroar. Je pense plutôt DK, ce serait plus marrant. Ça change de position. Ouais, mais c'est toujours mieux. Est-ce que c'était un autre message? Ah, la fatigue. Mais ouais, je vais peut-être reprendre un peu sérieusement entraînement et autres. Du coup. J'ai eu quoi pour un seed? Je t'ai demandé si je pouvais être mis 69ème. Après, j'en ai aucune idée du seed. Ouh, il y a eu un down. J'ai cru voir un downer into down B. Joli. Je crois que j'ai vu le downer into down B. C'est ça, hein? Petit copain. Et ouais, c'est juste au moment où j'allais commencer à cliquer pour aller voir mon seed. C'est déjà quoi? Smash GG? Ouais, c'est Smash GG. Paf. Paf.
Triad Kingdom Tournament. Ah bah c'est cool, c'est pile dessus. Alors, attendez, pouf. Est-ce qu'il y a déjà le seed? Ou est-ce qu'il n'est pas fait? Je pense pas qu'il ait fait le seed, ou bien il est ailleurs. Manager is non. Home. Non. Y'a le seeding qui est déjà fait? Hé, Zachou. Adieu, Grivas, tu vas bien? GG, Mika, tu fais trop de smash, je sais pas pourquoi je vais punir. Demi-sel. J'aime bien. Ouais, j'ai donné un level de. On est sympa pour pas, mais c'est magnifique. On pourrait presque croire que vous êtes fait pour sortir ensemble, les gars. Il avait pas réussi. Ok. Moi, j'ai souvenir qu'il y avait PK Bayern où il y avait un seeding, mais. Là, je crois pas qu'il y a. Je crois pas qu'il y a de seeding. Ou bien. Overview. Ah, attends, je vais voir. Est-ce qu'il y a ça, c'est le seeding? Ah oui, il y a le. Ouais, non, il n'y a pas de seeding. Parce que. Même si je l'aime beaucoup. Il y a Waffle qui est seed 4 et t'as Deep Freeze qui est seed 5. Alors je pense que le seeding il est pas encore fait. Du coup je veux bien que Waffle soit dans le seeding top 10. Mais pas au-dessus de Deep Freeze même si je l'aime beaucoup. Ou bien attends, est-ce que c'est. J'essaie de comprendre. C'est un Minx peut-être. Pourquoi j'ai que 14 joueurs hein. Raquette. Sonnery, blablabla. Ah. Putain, attends, par contre, je vois ma poule. Dans ma poule, j'ai qui à affronter? What? Attends. Ah ouais. Oh putain, je vais mourir. Je vais pas passer ce bracket, les gars. Si la poule se passe ainsi. Dans le même bracket, j'ai Sigboy, Deep Freeze, Rwandoge, Crash, Arthas, Axor. Et les autres Fake, je crois que c'est un bois. Mais. Je ne sous-estime pas Waffle. Mais je pense pouvoir affirmer que. Comment dire. Deep Freeze est meilleur. Mais donc si. Bah, c'est la poule de ceux qu'il a rajouté à la DER. Oh joli. Est-ce qu'il meurt? Ok, pas de risque, c'est bien. Donc si cette poule elle reste comme ça, c'est la poule de la mort. Hein. Ouais vraiment, Sick Boy. J'ai l'impression que Frozen que je connais, puis qui casse des gueules. Et Deep Freeze, Rohan Doge, Crash, Arthas, moi, Axor, bon les bons, je crois qu'il fait qu'il est pas mauvais, même fort. J'en ai déjà marre. Pardon, c'est ça le rien, j'ai même compris cette punch. Ah. Je te présente Banjo Kazooie, tu comprends pas ce que tu te prends et tu prends cher. Pas ta poule sur le jour. Tu veux Hearthstone perso? C'est vrai que tu t'énerves ou autre, mais bon. Si, des fois, c'est quand on s'énerve trop, c'est vrai que parfois c'est bien. D'aller se poser, jouer Hearthstone tranquille. Du coup, pose-toi bien. Puis bah, dis, c'est pas que t'es à chier, on a tous des moments où on est moins bon et moins plus fort, etc.
Next time, ce sera mieux. Donc, si jamais, alors ce week-end, je vais pas faire de stream. Normalement, alors demain, non, c'est pas ce soir. Il y a demain où je fais un tournoi et dimanche où normalement je vais sortir. Mais à partir de la semaine, à partir de lundi, je suis en vacances. Du coup, je vais streamer certainement comme un gros porc. On va atteindre les 10 000 viewers. Je vais concurrencer Squeezie, les gars. Ouais, j'ai un pote qui veut m'inviter, il me dit hey, y a un tournoi à Mario Kart, je dis, ouais, j'aime pas Mario Kart. Ouais, mais c'est gratuit. Même si c'est gratuit, j'ai pas envie de jouer à Mario Kart. Merci, demain meilleur. Ah, demain, je suis pas là, mais. Désolé, je crois que j'ai allumé ta rage. Ah, tu t'allumes la rage de tout le monde, tu joues Link. Bien sûr que tu as allumé notre rage. Le Power Ninja Block, oui, merci, à plus tard. Ciao, ciao, Lontal, c'est vous le point de vue, tu m'as raison de te poser si t'as plus plaisir. Ouais. Parfois, c'est vrai que c'est un truc que j'oublie, mais que. Faut pas oublier que parfois on est là pour s'amuser, que si. Tu fais, tu rages, des fois. Prendre un petit bol d'air d'une demi-heure. Ou alors, même parfois, tu fais une. Quand on a trop marre du jeu, tu fais une petite pause d'une semaine. Franchement, ça fait du bien. Pourquoi il est encore en vie, Yoshi? Avant, j'ai vu, tu l'as. Tu l'avais down trop, t'aurais pu faire un petit up-tilt ou que sais-je. Qu'est-ce qu'il raconte, Stéphane? Allez, Stéphane. Celui que je connais, non? Bien, je comprends. Ah, c'est bon. C'est là où du sel ou pas, c'est vrai. Mais là, c'est marqué chill, je crois, non? J'ai pas marqué genre. Tiens, on va chiller, tranquille, on est bien. Mais c'est bien sympathique, Lulu. Comme ça, les gens, ils croient que je suis un streamer important sur la. Voilà, il y a 10 viewers. Le streamer phénoménal. Bon, il vient, cette technique de Yubi ou bien? Ça sonne Fex. Fex? Tu veux dire fake? Ah, ça sonne faux, chill. Mais non, parfois moi je joue chill, ça m'arrive. Pas tous les. Tous les 6 mois. Toi j'étais là, bon, tournoi demain, on va pas se prendre la tête, allez, comme ça on va essayer de dormir tôt. Parce qu'en plus c'est moi qui vais conduire. J'aime pas conduire, mais je dois apprendre à conduire. Comme ça, je peux passer mon examen. Je vais le permis. Je vais jamais conduire pendant 15 ans. Ça, ce sera la fin du monde. Pendant la fin de un camion, je suis désolé. Je ne sais conduire que des automatiques. Bon, on va tout s'en prendre. Le Smash, j'allume ma BattleNet qui crache 3 fois d'affilée. Faut que tu joues à Runeterra, frère. C'est le signe. Tu te fais un petit deck burn. Tu fumes tout le monde sans réfléchir et c'est parfait. Mais il y a Flexi Flex. Comment tu vas, Flexi Flex? Ah, ça fait mal de mourir comme ça. Alors, on va mettre un peu de. King, sa mère, j'ai installé le terrain sur PC. Viens du côté obscur des jeux de cartes. Ah, Flexi Flex! Demain, il y a gros tournoi. Si ma poule reste la même, je vais me faire fumer. J'ai vu qu'il y avait des patchs qui allaient arriver sur Runeterra. Runeterra, non, sur Hearthstone, je veux dire, qui vont nerf le DK, le druide et. Le voleur, enfin son. Comment il s'appelle déjà? Galakrond. Moi, ça m'attriste qui nerf le druide. C'est tellement le deck Brain Dead que j'aime bien. Fait tellement chier les adversaires.
Comment tu sais que t'as gagné? Ben si j'ai eu... Si j'ai eu... comment ça s'appelle déjà? Truc luxuriante... pour 4. Donne 2 mana. Vas-y, bonne chance, bien joué. Oh non mon ami, ma poule, il y a genre le top 10 suisse, il y en a 5. Si elle change pas, ça va être chaud. À Neuchâtel. Mais Yox s'est fait fumer par Maïsaku. Maïsaku est un dieu. Mon vieux Yop, c'est en train de faire une remontada. En attendant, on va niquer des bots sur ce mur, ça va me détendre. Eh bien, bien joué, Maïsaku. J'ai cru voir que c'était un suicide, j'ai cru voir un air dodge. Ouais. T'es prêt pour demain, toi, Yox? Bon, si après, si là l'incinéreur ne passe pas, et je dois sortir mon secret main counter. Main counter, flash. Ah merde, il était pas là. Donc vas-y, frappe-moi. Voilà, on est bien. Ah, c'est lagué. Là, je suis plus rendu, je peux plus passer dessous comme ça gratuitement. Fume cette balle! Oh putain, t'as tout. J'ai l'impression que tu maîtrises très bien les parries. J'aime pas du tout. Mais d'où ça me touche? Je comprends rien. Hein, donc, ça prend, c'est bien. C'est vraiment rageant. Hein. Mais putain! ça me fume ce truc, t'es là, c'est bon, je peux aller le punir. Ah bah non, je peux pas aller le punir, je peux juste aller me faire foutre. Qu'il a poussé. Ce ballon m'énerve. Mais bon. Ok. Mais pardon, c'est moi qui te spike. Par contre, ça lagouille, hein. C'est pas agréable. Ah mais c'est chiant que ça lagouille. Après on va dire que c'est à cause de ça que je gagne. J'aime pas du tout me dire ça. Vraiment fait de la merde les deux à bourrer. Mais putain, je demande pas un smash.
Oh, mais je me suis suicidé. Ouais. Faut revenir, il est pas très très fiable, l'incinéreur. Oh. C'est chiant que ça bouille comme ça, c'est pas agréable. Bon, fuck ce lag, il y a 2 secondes là. Putain, vraiment dommage. Bon mec, je sais pas, j'ai fait une partie de solitaire là. Ouais, je gagne à cause du lag. C'était couru d'avance. Faudrait que je la refasse, qui quoi, nous convoie un peu mieux le Kirby. Ça me présente, je m'appelle Incinéreur, je te mets 41% avec mon hubby. Joli. Bien joué. Alors, intermédiaire.
Ouais, t'as invité, je vais jouer à Tetris Hotel, c'est bien ça. Mais le sien, pas ton coup, ou à Tetris, c'est cool aussi, Martel. Elle lui dit que ça va, mais pas de chance. Mais ça coûte, le gars aux cheveux longs qui avait pas de main, nan, non, pas de cheveux longs. Et des mains, ce qui est assez pratique pour jouer. Ah, je sais plus, alors, je suis un peu la vieille, moi, là. Mais merde, je sais quand même, putain. Ouais, l'incinéreur, il est bien sympathique. Mais. Hein? D'où tu joues Captain Falcon, frère? Je sais pas jouer, mais un joueur, un bon joueur suisse-allemand, il commène, mais commène, il mène Snake, et parfois sur certains match-up, je sais pas pourquoi, il sort assez d'erreurs, puis il éclate tout le monde. Bah, c'est pas que je l'aime bien, c'est juste qu'on est en online, vous bourrez tous comme des chagas, du coup il passe. Il a ce bruit de Captain Falcon. On a un vrai punk. J'avais ri de gaffe, hein, mais je me suis surtout pas dit qu'il allait faire une putain de roulade. C'est pas du tout ça que je me suis dit. Ah, je suis pas fini. Ah, mais ça me fait la plus beau, par contre. On dégage, j'ai testé. Non! Oh putain, j'ai testé un truc. Ok, ça n'a pas marché. Ah mais oui, je crois que je sais ce que je dois faire. J'ai pas fait une chose. Le MB Meteor, c'est l'ending up et quoi. Vous avez pas un perso ultra Brandon, mais un perso pas que personne ne trouve Brandon, un perso que tout le monde le trouve. J'ai pas compris la question. Pour Link, avec le MB Meteor, c'est l'ending up et quoi? Pardon. J'avoue, les deux dernières phrases, j'ai lu que c'est panique, j'ai rien compris. Un metteur avec le upbeat Link. Ah, je comprends pas.
Ouais, je peux pas mettre le dernier coup, non, bien sûr. Hein, Diego. Je suis prêt pour gagner les bons patrons pour le rôle. Oui. Désolé, j'ai lu Obi-Wan Top Shield, j'ai beaucoup aimé le livre que je donne, j'ai ça toute la game. Mais j'ai tech! J'ai tech! Putain merde, j'ai tech! J'arriverai jamais à faire ce truc, c'est affreux, j'y arrive pas. Ça me touche et ça me fait triper en plus. Fous-toi de ma gueule et dégage. Oh. Désolé, Yann. Désolé, dégoût. Là, on est canonique à la con, honnêtement, avec le base match. 30% sur un terrain, 60% de téléchargement. Tu peux le faire, Lulux. Pourquoi tu me fais pas avec? C'est pour le spectacle. J'ai joué contre Maïsaku ou pas? Parce que normalement, sinon, je dois laisser la place. Bon, bah, Maïsaku, il veut pas attendre. Bon, je vais faire celle-là. Après, je vais changer, j'en ai marre d'un Incineroar. Là, je crois que j'aime jouer un scénario que quand je gagne. Arbitre, j'ai fait la read parfaite, il a juste bourré son side B à la con. Je suis mort et je suis pas d'accord. Putain, oh j'ai le seum. Là j'étais là, il va me bourrer un truc, c'est bon. Ah, je suis pas content. Ah je le dis, je ne suis pas content. Mais alors vraiment pas. N'importe quoi le jeu. Vraiment un jeu de merde. Ah, je me suis suicidé. Ah, il est trop fort. Tiger, ah oh, mec, j'ai le seum sur mon reverse biche. T'avais tout de suite. M'énerve. Ah, ça m'énerve. Ah, par contre, merde, votre entraîneur. Bon, je vais changer mon perso. Laisse-moi rêver.
C'était pas prévu. T'es juste un joueur du Fit Trainer. Et vous faites que de faire ça avec le Fit Trainer. Vous êtes d'or. Tyler a filé sa place à Conquest. Donc, écoute, t'embête pas. Quand le truc est là, vous devez jouer quoi. Mais Smooth, ouais, mais il est affreux. Enfin, grâce à ça, vous êtes vachement prévisible. Le beau pop-off que j'ai fait, c'est sur une Wi-Fi trainer, sur Olivia. J'étais genre à 120% L10. J'ai mis juste 3 coups avec mon Miss World Fighter. Je savais qu'elle allait me foutre cette saloperie de... De ballon à la con. Je me suis foutu sur la plateforme. J'ai neutral B, elle était à 40-50%. J'ai up B, elle est morte. J'étais heureux. Ah, c'est le plus beau pop-off de ma vie. Je sais pas si je peux en faire un meilleur, mec. Je peux crier aussi fort. Ah ouais, j'étais chaud à ce tournoi, c'était trop bien. Ouais, attends, normalement je l'ai. Attends, comment je peux faire? Ah, mais je peux pas vous montrer comme ça, mais je peux retrouver le clip et vous le passer. Alors attendez, il est temps de scroll tout mon Twitter. Est-ce que je peux voir les interactions que j'ai eues avec les gens? Est-ce que je me souviens? Non, attends, je vais voir mes trucs, j'ai pas tweeté tant que ça. J'espère. Alors attends, comment je profite? Je suis vraiment vieux, je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne Twitter, je comprends pas. Alors excusez-moi les gars, je suis juste en train de chercher cette vidéo, c'est la meilleure que j'ai faite de ma carrière. Pour les gars, je vais encore scroll pour mon moment. Ah! Voilà! Alors, c'est cool les genoux, ouais. J'étais à le profondeur, voilà. Spammer B à Toshi. Je vais ressortir mon arme de pas vu mon 3 stack. Moi, j'ai rien vu. Tenez, les gars, c'est pour vous, je vous montre le pop-off ultime. Je vais l'écouter avec vous, comme ça, vous allez entendre 25 minutes fois.
qu'est-ce qu'il était bien ce moment. J'avais cassé la gueule à The Fury. J'ai fait le battre Kepler. Oh putain, j'étais chaud. Cohen, c'est trop bien que ça revienne. Il y a... Comment ça s'appelle? On a pris Dol à tous qui jouait Cohen sur Smash 4. Cosmos, t'es en train de la reprendre. Ça, j'ai trop hâte de voir. Je trouve qu'elle a... Là, franchement, c'est le meilleur truc de ma vie. Je te jure, quand je me fais chier... Non, je vais pas. J'aurais à faire avec toi des trucs fous, je peux l'épingler en fait, c'est tout. Comme ça je le retrouve toujours. Ici, il y a des scoops, non. Tac, ça. Ah, attendez. Épingler sur le profil. Voilà, épinglé sur mon profil. Voilà. Allez, 80 sur 100. Et je vais l'aider sur le stream. Coupe toutes les 3 secondes, ça arrive. Ah, c'est chiant quand ça arrive, ça arrive. Bon, bah, il va devoir sortir le grand jeu, les gars. Je crois que vous l'avez énervé là. Moi aussi j'ai sorti le bon jeu, c'est parti. Ref 1, 9, 3, les pyramides représentent Heights. Allez, Ox, tu l'adores mon dégât. Bourrage ultime. Un reverse down B, hein, je tiens à le dire. Je pourrais avoir mes backers, s'il vous plaît. Mais mes backers, j'ai dit. Les gens, après, ils vont encore du bourre. Ah, Diego, je suis tellement désolé. Oh putain, j'ai peut-être... Oh, mais pourquoi ça me fait ça? Je déteste. Donkey Kong est here! Ah les gars, si je deviens riche, ça t'a beau faire deux roulades! Quoi? Alors, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Retro Day! 1er novembre! Ok! J'avais plus de temps. Ok. Bien joué, non mais moi. Mais là, c'est mon histoire d'amour. Ah.
de vitesse que gagne. C'est pété. Ça ira bien mieux. Putain, il y a que de la porte. Ah, dommage. On est rapide dans tout ça, non? L'histoire, elle aurait tellement pu être en fait. L'histoire va pas être faite, pas comme j'aime. Attendez les gars, j'ai une idée, je sais ce que je vais faire. Non, c'est ça. Ça va pas marcher non plus les gars. Help, Mayday, je ne sais plus quoi faire. Hey les gars, j'ai bourré, ça a pas marché. Pourquoi ça a pas marché? Pourquoi ça... Mais bon, ça suffit, hein. Tababal, paf. Sachez que mon arme ultime se nomme le Power Ranger de la jungle. Greninja. Trop bien, champion. Garen. Il est cool, Garen. Enfin, c'est pas mon... Je pense que c'est mon préféré, mais il est pas mauvais. Alors, low cost. Attends, il y en avait un qui était bien, que conseillait Best Marmotte. Attends, faut que je retrouve. Pourquoi il prend mon Kirby en même temps que avec en même temps que mon skin? Je crois qu'il essaie de lancer un message. Je te fais follow ça. Ok. Wouah, bien joué. Ah, il est trop fort, sauf. Tout en bas, paf. Attends, ce que je vais faire plus simple, je vais te faire follow ça. Puis lui, là, il conseille des petits decks, c'est du style un peu burn, facile à jouer, qui te permettent un peu de grind. Et après, quand t'as amassé ce qu'il faut,
Tu peux te faire des vrais decks. Moi, j'ai fait un deck un peu pourri qui me conseillait. Les gars, il sait que je suis un main ou pas? Quand je dis ça, mais je vais me faire détruire par la tornade. Je connais pas les timings pour l'éviter. Ah merde, bien joué. Le jeton en expédition. Moi le truc c'est que je joue en anglais donc... Pas sûr de quoi tu me parles. Ah frère, je suis un ancien main Mistward. Je connais les douilles. Mais je t'ai pas vu une seule tornade. Alors que tu dois en abuser contre Donkey. Et tu me dis que tu l'as pas mis. Compte à toi. Meilleur projo du jeu. Tu joues pas la tornade? Tu joues quoi à la place? Parce que vraiment c'est le meilleur projo au monde ce truc. Ça fout la pression, ça fait peur, ça met 15%. Comboter avec la tornade ça tue. Et après ben, si tu mets sans la tornade, ben si tu fais bien le setup et haut, tu peux. T'as le upper garanti qui tue. Le petit shuriken, le truc où il fait. Aïe. Franchement tu ferais mieux de garder la tornade. C'est pas. Non, c'est pas trop simple mon ami. C'est trop simple, quand les gens ils savent pas. Mais quand au bout de deux matchs ils se sont habitués. Enfin, c'est un autre jeu, hein. Tu vas pas pouvoir le bourrer comme tu veux ta tornade. Bon d'ailleurs on savait pas. Poro. Oh c'est marrant comme deck. Alors. Bon. On va prendre... Ouais les pauvres ça me fait envie, j'essaie de me faire un deck prochainement. Je reviens. Hop là.
Donc j'essaie de stream du Runeterra, mais le problème c'est que vu que je sais pas jouer, les gens ils vont me regarder jouer Burn, puis je serai là, bon ben... J'ai tout mis dans sa gueule, j'ai gagné. Bon, plutôt je pense que je jouerai mon deck Teemo. Ok. Bon, après si t'as le feeling avec comme ça, c'est bien. Vraiment, je trouve la manière opti, c'est le 1-3-3-2. Tu peux virer le 2, donc je crois que le 2... C'est la tornade, si je dis pas de bêtises, et prendre celui que t'as parce qu'il permet de survivre plus longtemps. Et moi j'aime bien avoir cette option de burst et de auto shield qui est assez sympa. Vraiment, il y a des trucs où je suis resté un enfant. Mon petit verre de lait avec mon biscuit. Bon, Thomas, pourquoi tu joues soudainement Captain Falcon? Tu as un coup de cœur qui se fait depuis qu'il a été buffé? Putain. J'ai cru que c'était... C'était Thomas qui jouait, pardon. C'est pas Captain Falcon Brendan? Non. Qu'est-ce que je dois regarder? Vas-y. Juste un dossier. Trip Meteor du Power Ranger. Ok. J'applaudirais si t'étais, si t'avais l'avantage. Mais j'avoue que c'est pas mal. Mais moi j'aurais fait le deuxième puis j'aurais essayé. Je crois que tu pourrais revenir à partir du deuxième. Non, je crois pas. Je crois que je m'avance. Donc une fois, deux fois. Non, tu pourrais pas revenir. Ok. Mais non. Ok, c'est stylé. Ok, je m'abonne. Comme ça, t'es à 69 abonnés parce que c'est un bon chiffre. Mais l'action est stylée. Allez, 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 on va s'arrêter là. L'action est stylée. Ah merde, t'es allé trop loin, Lulu. Donc voilà, maintenant, sur cette chaîne, il faut plus du tout qu'il y ait qui que ce soit qui s'abonne. C'est vrai que ça fait du bien, mais...
Bon Thomas, qu'est-ce qui se passe pour que tu joues tous ces persos et que tu joues pas Rob? L'écoute Pikachu, elle est vraiment trop bien, mais quand t'es pas habitué, elle est pas facile à manier. Ton prochain match, tu vas? Oh mec, faut qu'on soit sans dito, je viens de tenter exprès mon bon vieux main pour toi. Est-ce que... Thomas, faut vraiment que tu m'expliques pourquoi t'as pris Pikachu. Je hais ce ballon. Faudrait que je me remette avec une petite aventure. Vous voulez que je stream ça, ma session de Geekfeed Aventure, je suis comme ça. Avec le machin. On fait tout ça ensemble. On est des beaux gosses. Et tu la barre de 60 kilos. Franchement, Wi-Fi Trainer, c'est. C'est has-been. Bon, c'est à moi? Non. Allez, gagne TS Conquête, j'ai envie de jouer contre toi. Faut que tu gagnes. Bon, j'ai fait un deck Feljord Noxien, pas de dieu, j'étais servi. Ah, je connais pas. C'est ça. Du coup, je vais passer sur le truc pour le you
de chat. De crête. Genre, ça arrache. Allez, conquête, tu dois gagner. Non, conquête, je crois en toi. Ok, pas mal celui-là, il était pas mal. Ah, ce hobby, il a du potentiel. J'aime bien quand ça peut gimper les hobbies. Ok, t'as de la hobby comme ça. Sur les 4, il est quand même difficile, je suis désolé. Il fait genre 3 ou 4%, même pas. Je trouve ça triste. Dommage. Bon. On va voir si je suis encore joué ce perso. J'avais réussi à casser les gueules avec avant, mais je trouve assez limité quand même. Ah, dommage, on n'a pas pu faire notre dito. Non. Bon, merci d'être passé, c'était cool. Passe une bonne soirée. Nous, ah attends, c'est 11h déjà. Je pense que je fais le stream jusqu'à 11h30 les gars. Du coup prof, tu penses quoi de mon Kirby? Franchement, abandonne Rob et puis joue Kirby. T'es fait pour. Plus qu'à apprendre les combos, puis franchement, easy. Ou bien qui font toujours ça les Wifi Trainer. Le Miss World Fighter, il va pas laisser passer ça, hein. Il va dire tiens je te fume, puis c'est tout. Allez-y, faites votre ballon, moi je vous fume avec votre ballon là. C'est bon. Pardon, comme ferait l'autre là. Bang bang. Eh. Vas-y, fais-moi du side B, moi je kiffe, les bis et... Ah. Je veux dire les Miss World, World Trainer, les Wifi Trainer qui font des side B, mais... Ah, je vous kiffe. Relulux. Ça se passe bien. Donc, comme j'ai dit les gars, donc je suis jusqu'à 23h30, il y a tournoi demain, je me lève quoi. 7h, 7h30. Mon gros chat a attaqué un des chats pas loin de chez moi. Enfin, j'espère qu'ils vont bien. Ça, ça peut toucher. Ça, c'est nul. Ok, on peut essayer un truc. Ça n'aurait pas marché. Non. Ok,
peux tuer du vent. Ah ouais. Ah, c'est mal pris le truc. Bien joué. Non, 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 reviens. La tornade de Mario, j'avoue que c'est un enfer. C'est pas vraiment très cool comme move. C'est pas normal qu'il ait ça. C'est vraiment trop hyper merde, franchement. Presque. Non, 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 t'as dit la tornade de... Non, 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 on a compris que c'était la tornade de Mario, on est d'accord. Je vois pas quelle autre tornade on peut parler, hein. Les autres, ça pose pas de problème. Hein. Non, non, tu disais pas de nul, hein. tu disais Mario, c'est n'importe quoi qu'il puisse revenir avec sa tornade. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord, je parle pour fumer, c'est pas sûr. GG. Adieu, ça va bien et toi, Noétic? T'as win? Ah, oh, bien joué. Tu t'es amélioré si vite, Lux, je suis fier de toi. On fait un stream où on prend
On prend tous Captain Falcon pour la fin. Ah ok. Ah, c'est plus. Toujours cette merde. C'est pas cool, ça ne tombe pas du tout. Ciao, merci Thomas. À la prochaine. Bam. Bon, on fait Falcon. Ok. Ouais, ce coup il fait tellement peur que tu veux paniquer d'autres, quoi que ce soit, mais c'est pas la bonne idée malheureusement. Il est où Captain Falcon? J'ai justement pas l'habitude de le prendre, je sais même pas où il est ce truc. Captain Falcon! Ah ouais. Le meilleur skin. Ah, c'était à qui de jouer? C'était à Lulu, non? Donc là c'est à Lulu, ensuite Deku, ensuite moi. Ah, attends, non, pardon. Attendez. Yeah. On est bon comme ça? Non, il y a Maïsaku, tu dois te mettre en dernier? Je sais pas. Donc les gars, les streams jusque vers 23h30, on peut être un peu débordé. Mais pas trop.
Vous pensez que pour un tournoi de 64 joueurs, il faut au minimum combien de setup pour que ce soit viable, dans le sens que ça va pas prendre 8 heures? Moi j'ai l'impression qu'il faut au minimum un truc où tu fais un chiffre, tu multiplies par 4. Si t'as 2 setups, tu peux aller jusqu'à 8. Si t'en as 4, tu peux aller jusqu'à 16. Donc il faut au minimum, je dirais 8 setups, voire même 12 pour 64 joueurs. Une douzaine, hein, ouais. Minimum 8 si tu veux bien, tu veux finir ton tournoi d'ici 10 heures. Et je pense 12 setup. Ouais, c'est chose que j'ai un pote qui est là. Hey, je suis en train d'organiser un. Attends, je vais prendre le micro, ouais. Je suis en train de dire, hey, je vais organiser un événement. Il fait un truc dans le rétro et autres. Puis bon, ils veulent faire des tournois. Puis là, il dit, ah, bon, je vais faire un truc avec. Donc, j'allais dire quoi? Ouais, on va faire 64 joueurs, je suis là. 64 il va t'en falloir des setups, hein. Oh, le free player en même temps, même pas, on s'en fout, mais c'est juste que le fait qu'il doit trouver 12 setups, ça me paraît archi chaud. Je pense que si tu fais un petit événement à la Polymanga, tu fais maxi 32, tu peux faire sur 4 écrans, ça me paraît jouable. En train de dire qu'il peut avoir facilement au minimum une dizaine. Ouais, aussi il nous dit qu'il en a 12. T'as essayé de me rappeler comment j'avais fait des petits tournois, j'ai l'impression qu'on était dans le maximum 32. Je dois voir. Ouais, police et confort 0, c'est vrai qu'avoir un minimum de confort ça passe. Bon, Poli, c'est zéro confort, mais... Ouais, non, c'est zéro confort fois 1000. On va dire, ouais, ça va, une fois que t'as fini, même quand t'es assis, t'es bousculé par des fils de pute qui sont en train de faire tournoi. Non, connard, on est en tournoi, je vais te casser la gueule, dégage. En fait, j'ai une question conne, je pose toujours la question. Dès qui c'est Jet? Ton pseudo, il ressemble tellement à un pote que je suis là, mais est-ce que c'est Jet ou pas? Ça me fait toujours bizarre, mais je pense pas, parce que... Tu parles pas autant de cul que Jet. À 10-12, c'est canon, ouais. Après, est-ce qu'il a la place? Enfin bref. Puis après, il a ce qu'il faut, ça peut être cool. Et moi, je dirais, pour pas se mettre la pression, il peut avoir 17 up, 32 joueurs. Et surtout, ben, ça va être un petit truc rétro, donc je pense pas qu'il y aura tant de parties comme ça, mais... Il est en train de dire qu'il a 7 écrans. Et j'ai toujours l'impression quand les gens ils me posent des questions... Alors, je crois pas qu'il m'a proposé d'organiser le tournoi, mais il veut organiser un tournoi pour le 1er novembre, parce qu'il fait une espèce de vide-grenier rétro-geek et autres, puis il veut faire des petits trucs, et il m'a... Mais what? C'était un air, ça. Il m'a... Ok... Donc je disais...
Il me parle de. Évidemment, il me dit ah, faut combien de setup pour 64. 64 joueurs. Puis moi, je suis là, il t'en faut minimum 12, quoi. Donc c'est pas facile à avoir. Puis il semblerait que niveau Switch, ben, il soit bon. Juste la question que je me pose, c'est est-ce que niveau écran, ils sont bons? Puis il me dit oui, mais je me demande si c'est des bons écrans à. Vous savez, les écrans quand même. 1 ms 2 secondes, etc. Et j'ai l'impression de faire mon gros chieur en disant ah, puis avec un ms et tout. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils vont casser les couilles s'ils n'ont pas l'écran qu'ils veulent. Oh, j'ai le seum, bien joué. Ah, la douceur glaciaire de l'univers infernal, c'est ce que ressentent les adversaires du YML. Tout le jeu de son passage, la glace est son allié, il est mis en cage, t'es une tempête glaciaire. On diablait, livrait l'embrouilleur de ses adversaires, elle enfligera le pire des douleurs, il mettra la main sur leur corps, elle aura sur le champ de leur cœur. Je fais des poèmes, un pote. Ouais, mon poème est pas pour X-Mash. Ça, c'est vachement glacé tout ça. Puis donc pour le tournoi, bah, il me dit, je pense qu'il y a peut-être qu'il va me demander de l'aider et autres, mais je pense qu'il y a un cap de 64 joueurs pour un petit événement, c'est. Ça se met beaucoup de pression pour rien. Donc je pense que le cap des 32, ce serait mieux, puis comme ça, beaucoup de triplets. Kick!
appuyer avec les mais tu fais bon. Eh bien, bien joué, tu es un meilleur Falcon que moi. Ton pseudo, c'est hivernal, hein. Stylé. Et c'est qui, il? Quoi? Ah, franchement, ouais. J'ai vu qui va au Smash Castle. J'ai pas noté quelqu'un de spécial. Attends, je vais revoir s'il y a un nom qui me chouette. Ah, Malik! Ouais, ça c'est une grande première. Ouais, c'est cool. Des fois, quand il peut, il se déplace. Puis je crois qu'il est aux alentours de Neuchâtel. Alors, clair qu'il va sortir, il va venir. Ah, putain, mais quel est le nom? Puis j'attends, mais je lui dis calme, je suis là qui était ça. Donc les gars, on finit au 35, ça vous va? Comme ça, moi je vais discuter avec l'autre, savoir ce qu'il veut faire. Peut-être que j'ai une connerie, hein, mais j'ai souvenir que justement il traîne aux alentours plus de Neuchâtel-Yverdon. Si je dis pas de conneries. Mais mes infos sont très doux, on peut en douter. Adieu NG, tu vas bien? T'arrives quand je vais, on va finir le stream dans genre 10 minutes, malheureusement. On finit aussi le stream dans 10 minutes. Hein. Enfin, ça me dérange pas que tu viennes, mais au 35, je vais couper le stream. Allez, si jamais, moi je vais. Là, je suis en vacances pendant 2 semaines, donc je vais pas mal streamer. Donc, t'inquiète pas, il y aura du stream. On va se casser la gueule, on va faire plein de trucs. Ce sera bien sympa. On va tous se casser la gueule. C'est vrai que ça touche depuis là, j'étais là, mais non. Oh, un génie. Ah, dommage, attends, il a dû faire upper into down, je pense que là, c'était bon. Et je fais genre que je m'y connecte, c'est ça que j'avais prévu depuis le début, mais je suppose juste après avoir vu l'action. Ah, ouais, je commence à être claqué. Ouais, après, je vais discuter avec mon pote, je vais me fumer une petite cigarette. Ah, merde, non, le gars, fumez pas, c'est pas bien, tout ça, hein. Je pense surtout aux plus jeunes. Je crois que je vais pas dire ça, ce genre de choses. Quand je dis ça, mais Gotaga, lui, c'est pas du tout, il a sa petite bateau. Je sais pas. Sur quoi la question? Est-ce qu'on peut fumer pendant un stream? Alors, il semblerait que qu'il n'y ait pas de problème. Parfait. Ouais, bon. Donc, je fais pareil là-bas. On dit, c'est au pire, je dis, ah les gars, fumez pas, c'est pas bien. Et c'est pas bien.
Alors par contre faut pas que je me mette à fumer à l'intérieur, ça va être affreux. Bon allez, merci à vous pour les games, merci bien, ça cool. Du coup on se voit demain. Nous on va partir je pense de Beauvais vers 8h30. Parce qu'on doit aller choper CBF. Puis bon on a 1h15 de... 1h15 de trajet. Eh bonne soirée ouais. Tu vas pas demain? Mais t'es nul! Y'a toute la Suisse qui vient, mec! Y'a même Malik! Tu te rends compte? Likam! Ah, si t'en contre temps, en espérant que ce que je veux dire n'est pas blessant parce que c'est un truc important, tu lui dis d'aller se faire foutre! Ah, bah tu lui dis d'aller bien niquer sa cigarette, on va dire ça comme ça. Dommage. Bon, bah, next time! Mais non! Ah, mais ça c'est tellement triste, chic! Quoi? What? Tout est mort! Tout chic, ça tue avec un smash même chargé! Même si c'est rondoudou, j'arrive pas à le croire! Oi! Là, je suis choqué! Vous gueulez, les chiens! Je vous aime, mais vous faites trop de bruit! Adios, B. What? Oh, ciao. Donc, ouais, les gars, ce que je vais faire, c'est après ce combat, je vais arrêter le stream, je commence à être claqué. Si je dois encore en préparer avec l'autre de comment organiser le petit le tournoi. Enfin, ce qui est bien ou pas. Ça va me prendre un peu de temps. Demain je dormais à quoi? Allez, 7h, 7h30, le temps de déjeuner, de doucher. N'oubliez pas les gars, le plus important que vous avez un tour là. Outre le fait de prendre votre matos et tout. C'est le putain de vous doucher. Bah il a pas de rien son autre. Alors. Bon les gars, je propose qu'on arrête sur ce stream, le stream sur ce match. Eh oui, le hobby de Chic ça tue si t'es dedans, ça fait bien mal. Puis du coup les gars, ce qu'on fait voir. Merci d'être passé sur le stream, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes amusé autant que je me suis amusé sur le conjo jouer Fel Inferno contre le Link de Schizo et contre cette seule. Non, je m'en bats les couilles, je suis trop mort, frère. Et si vous voulez, vous pouvez jouer entre vous, ajoutez-vous. Mais même moi, je suis claqué, faut que j'y... J'ai 12 minutes, après, je vais dormir. Sauf au moment où je jouais contre Schizo et contre Wi-Fi Trainer. Puis du coup, donc ce week-end, je ne vais pas streamer parce que samedi je serai en tournoi et dimanche je serai occupé à pécho. Non, je déconne, mais j'ai un truc à faire. Et du coup, je pense à partir de lundi, je streamerai assez fréquemment ce soir et autres. Que je pense que je vais faire le gros geek et que de geeker. Dès que je ferai autre chose que du Smash, peut-être pas. On verra bien. Bon, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Je fais pas de raid parce que sinon je reste tout le temps sur le Twitch et le stream du gars à un moment. Mais je vous conseille d'aller voir Sullivan78. Et des gros bisous. Je suis encore meilleur qu'avec moi avec mon doudou. Mais oui, apprends les setups, hein. Parce qu'il faut te dire qu'à 40%, tu vas tuer le mec. Pour ça, une bonne soirée, bonne nuit les gens. Ciao. Ouais, ben, allez voir. Allez, ciao les gens.